Ciao, salut à tous, c'est Damso sur OpenRSIS 4 avec Lorisha. Toujours dans cette guerre ridicule contre, je sais même, contre l'Afghanistan. D'ailleurs, il faudra absolument que j'aille faire l'attaque contre l'Afghanistan pour pouvoir former le Bharat. Toi, hop, il y a quelqu'un qui est cadré sur toi, c'est bon, j'y touche plus. Difficilement, apparemment, j'ai quand même 20 000 hommes ici, je stabilise difficilement. Attendez, comment ça se fait? Intégration des milices locales, moins 20%. Je sais pas d'où vient ce malus, mais il fait pas plaisir. Est-ce que ma deuxième armée de 50 000 hommes est passée? Toujours pas. Ouais, bien, vous pouvez en faire signer la paix, moi y a aucun souci. Attendez. Vous avez bouffé Tunis? C'est un peu méchant, ça, parce que normalement, l'Ottoman, ça aurait été des alliés fidèles de Tunis. Donc la première armée est en place. La deuxième, ça ne saurait tarder. On retourne te planquer. La deuxième, encore une province à traverser. Et c'est fait, elle est en place. On peut déclencher cette guerre. Tout ça pour ça en plus. Les mecs, ils viennent même pas dans la guerre au final. Bah c'est beau hein. C'est suffisant comme province là. Ouais, je n'ai pas regardé la province. Pas du tout. Vous traversez puis on vous coupera en deux. Parfait. En fait, on va plutôt vous couper en deux tout court. Voilà. J'ai 2000 ducats au passage. Putain, sincèrement, quand je vois mon nœud commercial et que je me dis que les Anglais, ils ont deux fois le mien, je me dis qu'on n'est pas au top. Qu'on pourrait faire beaucoup plus d'argent. Quand je dis beaucoup plus d'argent, c'est vraiment beaucoup plus. Parce que toi, tu vas te replier ici. J'ai que lui qui a fait du siège. Ah non, j'ai lui aussi. Vas-y, il va se faire un peu de siège. Tu peux continuer d'avancer. Hein. Non, on va pas lever un peu de guerre. Et hop, le bonus suivant, et ben on va diminuer les dépendances avec le développement. Alors là, c'est sûr que n'importe lequel de mes dépendances serait à zéro. Je vois pas quelle dépendance se serait rebellée. L'autorité suprême dans ce jeu, ça a toujours été moi. Et voilà la guerre. Un modèle de guerre, quoi. Clair, net, sans bavure. Mec, je vais pas vous mentir. La seule chose qui vous attend, c'est la disparition. Bon, bah, eux, ils sont morts, pas de bol. Attends, j'ai eu peur qu'ils réussissent à s'enfuir. Ok. Oh putain, ils m'ont cédé plein de provinces. Ça fait plaisir, ça. Ils m'ont même donné Multan. Alors, vous attendez parce qu'il faut qu'on commence par Corée. Bon, apparemment, quand même, ça fait que 20%, c'est pas énorme. Je trouve ça très bien. Félicitations les mecs, ça m'a fait plaisir. Bon, par contre, ça va être en train de m'expliquer
Eux, ils vont résister. Un peu de sagesse, s'il vous plaît. Ils ne résisteront pas, c'est sûr. Voilà. Bon, la coalition, on la connaît. Il n'y a rien d'intéressant à faire d'autre. Et voilà. On va se mettre en position jusqu'au bout. Je l'avais pas fait l'état de Pékin. Ah, c'est que Pékin, c'est dans un état. C'est pas dans un état comme ça. J'ai pas les états comme il faut. Du coup, il va falloir que je fasse une deuxième guerre en Chine pour pouvoir tout faire. Ça, celui-là, il est pas mal. Si je clique ici et que je regarde mes états. État et possession, niveau du développement, j'ai l'or que je vais chercher. Où est-ce que c'est? Très bien, donc j'attends la fin du corps. Ensuite j'ai Hebei. Lui lequel? Le sanctitorional. Comment je l'ai appelé cet état? Remarque, en deux provinces, il est plutôt balèze déjà. Puis ici, remarque, je vais caser tout de suite les E. Ah non, il passe à 100%, c'est un peu beaucoup. C'est forcément quelque chose par là. Ah bah oui, c'est une belle province, celle-là aussi. Et puis ça suffira. 589, 827. Waouh, j'ai 827. Non mais vous vous rendez compte un petit peu? Mes revenus quoi? Mais c'est monstrueux. Moi ça me gêne pas d'avoir de tels revenus, mais. Et ben voilà, j'ai rattrapé tous mes zéros ici. J'ai pas encore intégré eux. Attendez, je me souviens plus. Dans ma tête, j'avais prévu une attaque sur qui? Ah, j'avais prévu une attaque contre le Ming. Avec le soutien de la Russie et tout ça. Quand est-ce que j'ai un diplomate? À mon avis, ça ne saurait tarder. Doty. Je m'en dis, mec, c'est pas sérieux quoi. Ok, alors supposition d'attaque contre le Ming. La Russie qui vient pas à cause de la trêve. Donc elle arrive là d'une manière assez imminente. Donc il me faudrait des troupes. J'ai pas fait revenir ma flotte. Ah si, sauf qu'elle est laquée ici. Ok, il va récupérer celle-là. Alors c'est le moment d'envoyer quelques flottes bosser. Donc là j'en suis à 92, là j'en suis toujours qu'à 70. Donc il faut absolument qu'on arrive à reprendre le contrôle de Malacca. C'est pas plus compliqué que ça. Si je prends le contrôle total de Malacca, je suis au top. Il y a 16 là qui foutent rien. Toi aussi tu fous rien, je t'ai vu. Parce que
ensuite il me reste plus qu'à prendre le contrôle de la province de Malacca. Ah, ça va être chaud. Hein. Lui, il n'y a que lui qui peut encore être un peu chiant. Et s'il y a passé aussi. Passé peut être très chiant. Donc Siak. Lui, son niveau 3. Il n'y a pas d'autres dans le coin de trucs commerciaux. Non, sauf que Patani, ils sont nulle part. Lui, il est niveau 3. Brunel, il est pas niveau 3 encore. Il devient niveau 3. Et là, à mon avis, j'ai pas dû faire grand chose parce que ça devait pas être un gros truc. Ouais. Marc Patani, t'es dans quoi? Ah, ça ferait un truc pas mal aussi celui-là si on pouvait le prendre. J'ai pas les sous, ça va, à mon avis, ça ne saurait tarder. Et donc, plus 5 de morale terrestre, financier, pas à l'amende. Ah, j'ai réussi à offrir lequel? Donc, j'ai réussi le. Avoir 8 niveaux, 3 de commerce. Ok. Bon, c'était pas le plus épique à faire. Mais bon, quand on voit mes revenus, c'est quand même déjà bien de l'avoir. Ouais, des points diplomatiques. Donc ici, il y a toujours. On ferme. Donc ici, la seule possibilité que je vois, c'est de récupérer les terres de Malacca pour commencer. Et tac tac. Là, ça commence plutôt pas mal. Là, c'est pas mal aussi. Le Japon n'est pas trop mal non plus. C'est là, mais même je crois que même là il manque. Pff, le peu qui manque, quoi, c'est que dalle. Alors, franchement, je vois pas comment récupérer les fortunes que je devrais récupérer. Je vois absolument pas comment vous voulez que je fasse concurrence à un nœud qui a 472, quoi. Comment je fais ça? Je pourrais jamais rivaliser avec ce nœud là. Je ramène deux armées, je vais ramener une troisième. Arshuna, est-ce que par hasard tu mériterais pas une petite guerre? Je la mériterais, mais bon. Je vais pas aller faire une guerre tout de suite. Vous retraversez. Malacca. Alors quelles sont les flottes qui sont non assignées? C'est déjà un niveau 3. Remarque, je suis pas sûr qu'il me reste suffisamment d'état disponible pour profiter. Oui, 3. Pas beaucoup 3 déjà. Et il me reste encore 5, je pourrais monter à 8. Non. On va économiser. Ah, donne-moi un point de mercantilisme. Voilà, ça c'est la teuf. Bon, de toute façon, j'ai déjà programmé ma prochaine guerre. Apparemment, il y a tout cela où je. Non, tout, pas ça du tout. Faut que je me remette sur la case de ressources, charbon. Ça. Et le charbon. Le fourneau, il est présent ici. Le fourneau, il est présent ici. Là, c'était quoi le problème déjà? De toute façon, est-ce que c'était bien un territoire à moi? Eh ben non, puis c'est même pas à moi. Donc j'essaie d'installer du charbon sur un territoire qui n'est pas à moi. Celui-là. J'ai déjà installé, pareil.
Ah, par contre, là-bas, je pourrais le faire, mais... Voilà. Ça me fait plaisir, vas-y, c'est cadeau. C'est Bibi qui offre. Pas beaucoup de charbon, quand même. Ah, pardon. Par contre, je suis sûr que je peux... Ça va faire un paquet de sous en plus. Et quand je dis un paquet, c'est un long paquet. Pourrait monter les bourses encore. Allez, t'as toutes les bourses qui sont à zéro. Bon, après, on va être humain, et puis Soba. En avant. Sous les morts, je sais pas où t'es. Remarque, non, vaut mieux quand même que je garde une troupe dans le coin parce que la moindre rébellion ça peut faire mal. Lui, on en est qu'à 50%. Il y a une réputation diplomatique, si c'est de la merde, on va pas se mentir. Là, il se passe rien du tout. Par contre, comme on était sur place, c'était nickel. On va juste placer un petit peu mieux les armées. Voilà, toi tu seras plus équilibré ici. Et il me semble que j'avais fait venir une armée de 8000 bateaux. Ah bah tiens, c'était celle-là. Donc en fait, j'ai juste 100 000 hommes prêts à attaquer la Chine. C'est pas énorme ça, 100 000 hommes juste pour attaquer la Chine. Va falloir qu'on se concentre un peu plus. Du coup, j'ai acheté toutes mes bourses. C'est pas grave, c'est un clic à côté. Ah, là il restait un zéro. On va voir qu'il y a peut-être des zéros ici aussi. Hein. Bon, les zéros ici étaient un peu plus rapides. Un peu plus rapide. Je pense que j'ai accès quasiment à 1 million d'hommes. Oh, quasiment 1 million, non, j'ai pas un million, enfin oui, j'ai pas vraiment 10 millions, mais il me manque quand même un bon paquet de troupes disponibles. Allez, la première armée, tu te replies. Ouais, j'en suis, 508 cap bonus. Ouh, il n'y a pas un petit ottoman qui est en train de faire une guerre avec qui, là? La République des Deux Nations, la Castille, c'est de la merde. Mais dis pas qu'il perd surtout. Attendez, c'est quoi la République des Deux Nations? Parce qu'en fait, la République des Deux Nations, c'est Riga. Ouais, ok, donc j'ai rien dit du tout. Il est en train d'atomiser le mec. Mais violemment, quoi. Toi, t'es en train de te faire atomiser de nouveau. Si j'avais moins de révolte, j'aurais quand même pu me permettre de... Pardon, vous venez d'où vous? Ce message, je suis sûr que c'est un message de révolte et je l'ai pas eu. Non, je suis désolé, ce message, je l'ai pas vu. Voilà, vous venez à côté, il n'y a que ça à faire. De nouveau 2000 ducats à dépenser. Bon, de toute façon, comme d'hab, on a tous les bâtiments du monde. Toi, t'as pas d'allié. Putain, j'aurais bien aimé que t'aies un allié pourri. Histoire de m'occuper un peu. Bon, de toute façon, une chose est simple. Le territoire là, il est à moi. Je suis à combien de développement là? Ça, à chaque fois, c'est me taper des vieux groupes de révolte comme ça, c'est ridicule. J'ai vraiment l'impression que j'investis du temps pour rien. Ah,
finalement ils ont réussi à passer. Vous allez vous mettre à jour. Pareil, cette flotte là, est-ce qu'elle est au top? Ben non, elle n'est même pas encore améliorée. Voilà, maintenant elle est au top. Un soulèvement à jour. Bah tiens. Il a fallu que j'arrive, il se soulève au moment où j'arrive. Bon, remarque ça, ça m'arrange. Ça, c'est pas le genre de choses qui m'emmerdent. Quand j'arrive et que les mecs se soulèvent au même moment. Bon, ça coûte combien en fait de. Ah non, par contre. Pas. Que si je monte ma légitimité. Et je la repère aussitôt après. Un point moins. Deux points en plus. Bon, en fait, ils sont ex-aequo les deux. Bon, il est quand même pas mauvais, mon héritier. Et de toute façon, l'heure actuelle, dire qu'il est nul, ça serait se moquer du monde. J'ai un peu d'autres choses à faire que de me moquer du monde. Bon, il va falloir trouver un petit truc à développer. Bien développer les côtes. Par exemple, toi là. Hop, hop, 20. Je développe un truc mais j'achète pas ce que je devrais acheter il me semble. Pardon. Ici c'est les cales sèches qu'il faut que j'achète. Voilà, c'est ce que je pensais. Brunei. Bah tiens Brunei. Bah boum, deux bâtiments de plus. De toute façon Brunei c'est tout ça, pareil. Alors là on se met au top. Contre des bâtiments déjà. Ok, il y aura des nouveaux bâtiments partout ici. C'est un sacré état Brunei. Là j'ai quand même un moins 20% pourtant. Bon, on t'attaque ça tout de suite. Et tu vas me lâcher lui. Pour qui? Non, l'armée va là-bas et le 1 va là. Vous allez guerroyer maintenant à Malacca. Du coup, au niveau des flottes, on est encore loin d'être au top. Bim. Ah bah tiens, je peux plus acheter de navire. Un modèle 20, c'est pas grave. Bim. 60 navires de plus et malgré tout, on sera toujours pas au top. Une guerre Suède-Brandebourg, ça doit arroser pas mal. Allez, tout le monde au boulot. De toute façon, ça va péter partout au niveau des rebelles. J'ai des pages de rébellion, c'est même pas des pages. Alors j'ai aussi des pages de construction de bâtiments, c'est effrayant. Des pages de construction de bateaux. On fait rentrer 1408k dans l'Empire seulement. Ouais, moi je pense qu'on en fait pas rentrer assez. On pourrait en faire rentrer beaucoup plus si on travaillait plus intelligemment. J'ai pas spécialement besoin de façon d'augmenter mes limites d'armée, mais ça coûte rien de contrer ceux qui sont à zéro au niveau place. Et ensuite, bah, tous ceux qui servent à rien malgré tout, on va quand même les développer. Hein. Le 154, je dirais qu'améliorer les relations, ça coûte rien non plus. Deux révoltes complétées, ok. Toi, tu t'occupes de celle-ci. Et toi, tu t'occupes de celle-ci. Ah, on a perdu général là. Voilà, on a récupéré un 3 étoiles.
Ah, à la fin du mois, ça va être bon alors. 1, 2, 3, bah non. Attends, je suis même pas à 4. Ah! Mais c'est pourri! Ah, si je peux. Si je le fais maintenant, ça fait 1814. Ouais. On va attendre un an. On va attendre un tout petit peu et je vais le lancer. On finira sur 2 ans en dehors de l'âge d'or. Ben voilà. C'est un peu ce qu'on attendait. Du coup, je quelque chose. La seule chose qui me pose comme problème, c'est que j'aimerais bien savoir où est la flotte du Ming pour pouvoir positionner ma flotte à côté. C'est joli ça aussi. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ça? Trop de possession. De toute façon, il faut que j'attende l'arrivée de mon copain. Et puis, il me semble quand même que j'irai faire une petite guerre contre la France. Parce que le statut qu'a la France, ça fout un peu le bordel. Mirka et Berbera. Bon. Voilà. Vous avez déjà le premier mouvement. Le deuxième arrive bientôt, vous inquiétez pas. Parfait. Alors, normalement, si je me trompe pas, les Russes, ils sont chauds comme tout pour venir. Ça tombe bien. Par contre, les Perses, ils sont pas chauds comme tout. Ça tombe bien, on s'en fout aussi. Donc, il me faut leur nouvelle capitale. Elle est où? Elle est à côté. Ah, parfait, en plus. Et vous, vous allez me viser la flotte. Le chantier naval, on est dessus. Alors ça, j'ai pas envie. Je préfère encore développer ça, même si c'est que dalle. Le peu que ça va rajouter, ça reste quand même des petits trucs qui vont servir. T'es en guerre contre quelqu'un, toi? Ouais, ok, en fait, t'étais dans une micro-guerre, donc c'est pas gênant. Ah, excusez-moi, mais... Bilim bilim. Là on lance l'âge d'or. Là je peux vous dire qu'on monte c'est qui Bibi. C'est la période à laquelle on va aligner les billets. L'âge d'or ça fait pas des bonus là-dedans? Ça m'aurait fait plaisir. Je te donne le kin. Toi, tu vas directement sur la capitale. Oh non, pas des fanatiques. Changement de cap, mec. T'as une priorité absolue. Je te le cache pas. Fonce. C'est qui ça? Ah ouais, ça c'est l'Afghanistan qui essaie de survivre. Attends, c'est quoi ça? C'est le fort de Pékin, il était si mauvais que ça? Tente ta chance. Du coup, là... C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de conquête, hein, du coup, ça fuse pas très haut. Hein.
pourrait développer cette province-là qui est quand même déjà à 30. Voilà, maintenant elle est à 40. Hop, là, aucun problème. Donc 42%, si le 42 échoue, derrière on peut faire très mal. Ah bah, le 42 a échoué, d'ailleurs on fera très mal. Je sais pas où il compte aller lui, mais il va gentiment lui dire bonjour. Il va lui faire comprendre qui on est. Bon bah l'armée de Pékin étant tombée, on va faire tomber leur flotte. Et plus important, c'était, je voulais déclencher la guerre contre Malacca. Voilà, maintenant que le Ming ne vient plus, je vais envoyer une petite armée s'amuser. Oh putain, c'est nul ça. Ça me coûte un bras à chaque fois. Faudrait un truc qui fasse du missionnaire parce que j'ai totalement zappé. Bon, pas grave, je vais quand même remonter un peu ici. De toute façon, les terrains d'entraînement, on prend tout. J'ai dit que je réfléchissais pas là-dessus. Alors, tu feras demi-tour parce qu'en fait, il y a plus important derrière. Ah ah. Là, va falloir qu'on m'explique pourquoi t'es monté ici haut, toi. J'ai dû faire un event à la con. 5 ans, ça se produira jamais, donc va falloir qu'on réfléchisse assez vite. Parfait, on a réussi à conquérir ça. On va au fort suivant. Ah bah moi allez. Toi tu devrais largement le temps de réussir à faire ta marche arrière. Je devrais pas me prendre pour un con trop longtemps. Ok, l'armée chinoise ici, on la met en déroute. Ça là, il n'y a plus besoin de la gérer. Bon, ah, les rebelles là-bas ont disparu. On va prendre position ici pour déclencher la guerre contre Malacca. Elle est mis à combien? 112, mais je comprends pas comment ça fait pour monter à 112, c'est pas logique. Ça fait combien? 10, 30. 30 plus, j'arrondis à 40. 50. Ça fait 70. 100, 110. Ouais, non, mais il y a un truc qui est arrivé à la con qui me suis fait avoir à cause de ça. Et du coup, là maintenant, en plus, ils sont malhonnêtes. Alors, il me resterait bien une technique secrète pour réussir ce coup-là, mais elle est peut-être un peu trop secrète pour le moment. Bon, puis ça fait une demi-heure, donc on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi et ciao à tous, bye bye. Tiens, en fait, petit coup, regard rapide. Non, il n'y a pas d'armée française qui est venue ici. Allez, bye bye.